Hello la compagnie, bonsoir. Parashat Mishpatim, ce soir on va essayer de traiter ça ensemble. Alors une paracha, je dois le dire, d'un ennui, d'une complexité et d'une bizarrerie, on peut aller jusque-là, complet. Alors si vous aimez les sujets bizarres, vous allez être servi, abonnez-vous, likez, partagez, surtout partagez. Et si vous aimez les bizarreries qui se transforment en quelque chose d'extrêmement captivant et assez phénoménal, alors vous êtes sur la bonne chaîne, Sens et Conscience. On va essayer d'aller jusqu'au bout de cette paracha Mishpatim. Alors Mishpatim, c'est quoi? Pour le remettre rapidement dans le contexte, on sort de la paracha Itro, une paracha déjà fort bizarre, hein, puisque vous vous souvenez. Elle contient les 10 paroles, les Aseret HaDibrot au Sinaï. Les Hébreux vont recevoir, nous allons recevoir la Torah. Disons-nous, les commentateurs disent que toutes les Neshamot passées, futures et présentes étaient présentes, justement. Et donc, du coup, ça nous concerne tous. Mais on parle du beau-père de Yitro. La paracha Yitro est un petit peu particulière. Elle se divise concrètement en 2 parties. Une partie qui est Rishon, Sheni, Shlishi. Et une autre, puisque le passouk commence même d'une manière assez étonnante, qui démarre à Arvii, Bachodesh Ashlishi, Letzet Bnei Israël, etc., etc. Donc, en fait, historiquement aussi, la paracha revient en arrière sur une période avant Yitro. Donc déjà, ça commençait en bizarrerie. Maintenant, on peut dire que dans Yitro, on atteint un niveau assez phénoménal, je veux dire. Les Aseret HaDibrot, les 10 paroles, cette union hein, des Hébreux qu'on dit que depuis lors on n'a pas connu une union, une unicité parfaite comme elle a pu avoir lieu. Et Mishpatim, on pourrait s'attendre, je sais pas, après le cadeau des cadeaux, on pourrait s'attendre à quelque chose de encore plus grandiose, là, une suite logique à ces événements qui consisterait finalement à apporter peut-être des miracles, apporter peut-être des bénédictions en tous sens. Et à la place de ça, on rentre dans une paracha qui personnellement m'a fait dire, tiens, peut-être cette semaine, il n'y aura pas de vidéo, pas parce que ça y est, j'ai pu tout dire comme j'ai pu penser dans le passé, mais parce que ce n'est pas intéressant. Quand on commence la paracha Mishpatim, on voit un peu les serviteurs, hein, on voit tout de suite qui tikkené va livrer, celui qui veut acheter un serviteur hébreu. Et ben, comment ça doit se passer, dans quel cas il peut le libérer, etc. Et celui qui ne veut pas partir, et le poinçon à l'oreille. Et on a envie de dire, non mais arrêtez de vous moquer de nous, parce que là concrètement, on est en train de sortir d'Égypte. Alors, Avadim Aïnou, les paro Bemitzraïm, on va le dire à Pessah, c'est-à-dire un peu cette période-là, on était esclaves de paro, de pharaon en Égypte. Ne viens pas me dire juste après avoir reçu les lois, les 10 commandements, qu'est-ce qui se passe si un Hébreu veut devenir évède, veut devenir esclave. Il ne faut pas se moquer du monde, c'est impossible. D'accord? On est là. Alors non seulement ça ne nous parle pas, parce qu'aujourd'hui en 2023, il n'y a pas d'évêque ivri, il n'y a pas de serviteur ou d'esclave hébreu, mais en plus de ça, même dans le contexte, ah, on va dire qu'Odéak, ok, d'accord. Voilà, même avec la manne, ils reviennent en arrière, avec la mer qui s'ouvre en deux, ils sont en train de se plaindre auprès de Moshé, de Moïse, etc. Donc ils ont peut-être ils sont durs d'oreille, hein, ils ont du mal à comprendre. Mais tout de même, on est vraiment quelques instants après les 10 paroles, cette union parfaite à Ahava, les Gamré, un amour complet, tout se passe bien. On peut pas entendre ces psukim, on peut pas. Alors j'ai commencé à creuser, et je vous propose qu'on fasse un petit peu ce travail ensemble. On a commencé à creuser, j'ai commencé à creuser une sorte d'enquête. Hein, j'ai entrepris une enquête. Et je me suis rendu compte d'un phénomène assez intéressant. On va essayer ici, dans cette vidéo, de répondre à 3 questions et assez rapidement. Quel rapport entre la parashat Itro et la parashat Mishpatim? Parce qu'on sait qu'elles sont jumelées, elles sont ensemble. D'accord? Quelle est la constitution des louchot, des tables de la loi, qui contiennent les 10 commandements? Alors pourquoi je parle forcément de Yitro, des 10 commandements? Parce que Mishpatim, c'est le détail des 10 commandements. Et on va le voir. Et enfin, qu'est-ce que c'est que cette manière d'écrire et de composer des lois qui sont vraiment assez étonnantes?
Donc, pour commencer, on va essayer de regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai lu assez rapidement, traduit en français, toute la parashat Mishpatim d'une traite pour essayer de comprendre un peu et de me dire, bon, je vais essayer de ressentir quelque chose, de voir comment ça pourrait se passer. Je me suis rendu compte d'un phénomène assez intéressant, c'est que effectivement, on a des points communs majeurs, des rappels, des points de rappel entre les lois qui sont citées dans Mishpatim et les 10 commandements. Jusque-là, allez, vous êtes à 5 minutes 30, vous tenez le coup, vous dites où est-ce qu'il veut en venir, mais croyez-moi, c'est tellement merveilleux que ça vaut le coup de patienter. C'est vrai que jusque-là, bon, on est sur un raisonnement plutôt basique. Eh bien, premier fait étonnant, c'est que Yitro est écrit dans un sens, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puisqu'il y a 10 commandements. Et bien, Mishpatim, c'est 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Donc, déjà, c'est un effet véritablement miroir. D'accord? Yitro de ce côté, Mishpatim de l'autre. La fin de Yitro et le début de Mishpatim. Et ça avance dans ce sens-là. Là, déjà, c'est intrigant. Puis, on en vient forcément aux tables de la loi. Et on se demande, mais alors, du coup, puisqu'il y a cet effet de miroir, ça me fait penser tout de suite aux tables de la loi, pourquoi on a deux colonnes, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5? La réponse la plus classique qu'on nous a donnée jusqu'à aujourd'hui, elle est relativement simple. On nous dit, voilà, il y a une partie, les cinq premières, qui concernent le divin. En l'occurrence, ça commence par Anochi Hashem Elokecha, Mi Bet Avadim, Lo, voilà, etc. Enfin, après, Lo Yelecha, c'est la deuxième. Mais je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras pas d'image, de représentation classique. Ok, top. Sauf qu'il y a un petit souci. Nous avons deux lois, la quatrième et la cinquième, qui n'ont pas de rapport, surtout la cinquième, qui ne semble pas avoir de rapport direct. Alors la quatrième, on parle de Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat. Là, on peut dire, bon, c'est quand même le jour du Seigneur, donc ok, allez, ça va, passons. Mais la cinquième, alors là, pas du tout. Kaved tavicha vatimecha, honorez vos pères et vos mères, respectez du moins, pas honorez, respectez. Là, on se dit que ça n'a rien à voir. L'explication qui est donnée habituellement et qui ne me satisfait nullement, c'est de dire, bah, tu sais, pour avoir un enfant, il faut une femme, il faut un homme, et il faut Dieu. Ah, c'est pour ça. Ça marche pas si vite. Pourquoi ça marche pas si vite? C'est très simple. Prenez un meurtrier qui a un enfant. Vous allez dire quoi? Dieu a béni cette union? Prenez un enfant qui naît d'une union d'un viol. Vous avez Dieu qui a béni cette union? C'est un peu compliqué. Dans tous les cas de figure où il y a une union non voulue ou involontaire ou dans des circonstances compliquées ou je ne sais quoi, on ne peut pas imaginer que le divin ait désiré, se soit marié à cette union pour venir là. Donc du coup, cette explication, moi, personnellement, ne me convient pas. Du coup, je suis allé en chercher une autre. Et là, j'ai compris quelque chose de très très fort. C'est que quoi? C'est que jusque-là, on nous dit que la première partie, c'est pour le divin, des Aseret Hadibrot, des 10 commandements. La deuxième partie, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu prendras pas la femme de ton conjoint, tu ne colporteras pas, etc., etc. Là, à ce niveau-là, c'est pour l'être humain. Ok. Sauf qu'il y a une notion que je sais, que je connais et que j'ai en tête, et que vous avez en tête avec moi, puisque depuis le temps qu'on fait. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham, on l'a étudié ensemble l'année dernière. Et ça veut dire quoi ça? Ils feront pour moi un mikdash, d'accord? Et je résiderai parmi eux, d'accord? Et donc on sait que quoi? On sait que le premier mikdash, le premier bet amikdash de la vie, c'est le corps. Et que Dieu réside en chacun d'entre nous. Et donc on retrouve le Mizbéach, on retrouve la Ménorah, on retrouve au sein même du corps, ça c'est Alpi Kabbalah, etc. Selon la Kabbale, on explique comment le corps représente le Mikdash, mais du moins on comprend. Donc, à ce moment-là, évidemment, il y a quelque chose qui se fait d'énorme dans ma tête. Et je me dis, mais il y a une logique absolue. C'est qu'en réalité, il n'y a pas de 5 commandements pour le divin et 5 commandements pour l'homme. C'est que tout est divin, c'est-à-dire que il n'existe un sens de la vie que s'il est accompagné de l'autre. J'entends par là que lorsque vous considérez que vous pouvez tuer, ben c'est que quelque part vous considérez qu'il n'y a pas de justice dans ce monde et que vous devez la faire.
que le créateur de ce monde n'est pas là pour faire cette justice-là et que c'est à vous de devoir tuer. On ne parle pas d'un meurtre accidentel, accident de voiture ou je ne sais quoi. On parle d'un meurtre avec préméditation, voulu, etc. Et pour le Zahor, pas Zahor, avec, pour le. Oh, j'oublie toujours celui-là, comment il s'appelle. Pour le Kiboud Avahem, eh ben, c'est très simple. On vous demande de respecter votre père et votre mère. On ne vous demande pas de l'aimer. On vous demande de le respecter. Et ça, c'est censé faire un appel à la création. Mais évidemment, j'ai donné l'exemple volontaire. Supposons qu'il y a une union non voulue. En période de guerre, en période de traumatisme quelconque ou d'atrocité, cet enfant, c'est peut-être vous, c'est peut-être moi, c'est peut-être le prochain, c'est peut-être celui du passé. Cet enfant qui a conscience d'avoir un père et une mère, ouh, on ne lui demande pas de l'aimer, on lui demande de le respecter. Ça veut dire quoi? Pas de peine, pas de, voilà, de honte en public, etc. Pourquoi? Parce que cet être doit accepter que s'il est sur Terre, c'est qu'il y a un être suprême, l'être suprême qui est le créateur de ce monde, qui l'a désiré. C'est que cet être doit pouvoir faire de make a better place, de faire vraiment un meilleur monde ici-bas, et de travailler pour faire la sotte d'Ira Betartonim. Mais ça, c'est une notion de dingue, parce que du coup, il n'y a plus d'excuses. Pour la vie pathétique que nous avons parfois, ou que nous menons à force de remettre à demain, etc., etc. On est là dans une direction où on se dit, voilà, je suis dans ce monde, il a été créé pour moi. Bishvili nivra olam, tout ça, ce sont des expressions qu'on a l'habitude d'entendre. Et donc, on est sur quelque chose d'extrêmement clair et concret pour notre présent, pour notre quotidien. C'est que cette journée qui est là, elle est pour moi. Cette création, évidemment, je suis l'Éternel ton Dieu parce que c'est le démarrage. Et donc, si je suis l'Éternel ton Dieu et que tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu acceptes que cette création, elle a voulu que tu sois sur cette terre. Et donc, du coup, pour le meurtre, on l'a dit, tu fais justice. Mais pour le vol, tu vas me dire, mais le vol, alors c'est quoi? Ben, le vol, c'est pareil. On peut faire comme ça pour les 10. Le vol, on prend à l'autre ce qu'on n'a pas. Sauf si on est malade. Mais en général, il a une belle voiture. Il n'y a pas de raison, on va dans une rue où on sait qu'il y a des belles voitures, on en prend une, on la ramène le lendemain à la maison, moi aussi j'en ai une belle. On considère que la vie nous a oubliés, que le créateur du monde ne s'occupe pas de nous, et encore une fois, il y a une forme de non-justice où on doit exister absolument, nous, notre ego, et faire cette justice nous-mêmes. Or, ça ne fonctionne pas. Dieu est dans l'homme. Non seulement on a compris qu'il réside en chacun d'entre nous et on a compris qu'on a une possibilité de faire exister un ego qui va faire que la création n'a pas sa place à côté de moi, mais en plus de ça, on détruit finalement cette création à travers l'autre. Parce que je ne peux m'exprimer, c'est comme celui qui se dit, ok, j'ai tout compris à la Torah, c'est complètement spirituel, moi je vais aller dans un monastère, d'accord, et je vais m'enfermer et terminer. Oui. Oui, c'est possible, mais il est dans l'erreur. Parce que qu'est-ce que veut la création de ce monde? Le créateur du monde, Boréa Olam, Ishtabar Shemolad, qu'est-ce qu'il demande? Qu'on fasse ici sa résidence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on vit cette matérialité, on puisse la sublimer, on puisse la rehausser. On n'en soit pas un esclave de cette matérialité. On n'en soit pas là. On soit véritablement complètement libéré. Et comme ça, il y a l'ensemble de ces commandements. Du coup, on comprend beaucoup mieux évidemment pourquoi les Aseret HaDibrot sont écrits de cette manière-là. On comprend beaucoup moins pourquoi la paracha de Mishpatim commence par Vélé à Mishpatim Asher Tassim Lifnehem. Ki tikne eved ivri sheshanim yaavod uvashvi yetzel achofshishinam. Quand on prend ces trois premiers psukim, déjà vous avez l'habitude de mes vidéos, donc vous savez déjà réfléchir un petit peu par vous-même. Vélé, on le sait que lorsqu'il y a Vélé, c'est quelque chose qui est Mealateva. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est Mealateva, qui est au-dessus de la nature. C'est-à-dire que le raisonnement, à partir de ce moment-là où il y a Vélé, et on l'a eu déjà plusieurs fois dans les précédents parachiotes, on sait que le sens qu'on va lire n'est pas le bon. Moi, j'étais certain de vous avoir apporté une valeur de malade à travers cette expression, à travers cette réflexion-là. Et je me suis rendu compte, pauvre de moi, je ne suis pas grand-chose finalement. C'est que Rashi, dans la Parashat Mishpatim, va apporter cette réflexion-là.
Si on lit, et je vous invite à le faire avec moi, à lire le premier rachi de la promis, du premier pasouk, du premier mot de la paracha, Ve'eleh Mishpatim, il est simplement incompréhensible. Il dit comme ça, Kol makom shneemar ele, pasal et arishonim, ve'eleh mosif al arishonim. Je vous le traduis, tout endroit où vous voyez ele, vous allez rejeter, on peut dire ça comme ça, rendre caduc, voilà, j'avais trouvé une traduction comme ça, je l'ai bien aimé, je la garde, rendre caduc les premiers. Mais on ne sait pas de quoi il parle. Vélé, quand c'est écrit vélé, puisque c'est entre guillemets, mosif à la rishonim, vous allez ajouter sur les premiers. On ne comprend toujours pas de quoi il parle. Et il continue, ma rishonim misinai, af elou misinai. C'est quoi ces premiers du Sinaï? Seulement ceux qui étaient, ou comme ceux qui étaient au Sinaï. Et il continue encore, Velaman ismecha parashat dinim le parashat misbeach. Et pourquoi on a besoin de jumeler la parasha des lois, sous-entendu mishpatim, avec celle du misbeach? Normalement, si vous êtes avec moi, à ce moment-là, vous transpirez. Vous transpirez parce que c'est tellement énorme, c'est tellement grand, que ça doit devenir évident. Et il va finir, après je vous referai le rachis en expliquant, L'Omar Lecha, c'est pour vous dire, c'est pour te dire, chez ta Sim Sanhedrin, que tu dois mettre le Sanhedrin qui sont, ce sont les juges, hein, les Sanhedrin, c'est la grande assemblée qui apportait la juridiction aux Hébreux, et Tzel Amigdash, à côté du Migdash. Normalement, si on lit la traduction, et je l'ai fait, dans plusieurs Chumashim, plusieurs versions différentes, ce Rashi est incompréhensible au même titre que le premier. En fait, voilà, Rashi nous dit comme ça. Quand vous voyez Vélé, sachez que le sens littéral que vous lisez, ce n'est pas le bon. Ça ne peut pas être le bon. Il va falloir mosif à la rishonim, il va falloir ajouter au premier sens S-E-N-S, évidemment, S-E-N-S-S-S-S, aux différents sens évidents qui viennent. Et c'est tout à fait logique. Le texte est un texte écrit par le créateur de ce monde. Si on le limite à son expression première, on le laisse à un degré humain. Et là, il y a un souci. Et il nous dit, c'est quoi ce sens qu'on va aller chercher, qu'on va être ajouté? C'est le sens de ceux qui ont tendu l'oreille, qui ont vécu les choses au point de d'avoir cru les avoir vues le jour du Sinaï. C'était tellement évident lors de la Aseret HaDibrot au Sinaï qu'il faut revenir à ce niveau-là, où toute la connaissance s'est présentée devant leurs yeux à tel point qu'ils n'étaient pas au niveau et ils en sont morts. Et qu'ensuite, ils ont ressuscité et que Moshe à parler à la place de Dieu. Et il le dit, pourquoi il va falloir jumeler la paracha des dinim à la paracha Misbéar? C'est quoi le Misbéar? C'est où? Parce que Brechi aussi est fin, il n'a pas envie de donner l'information à n'importe qui pourrait mal le commenter. Misbéar, c'est au sein même du Mikdash. Et donc on sait bien que Véasoli Mikdash, on sait bien que le Beta Mikdash, c'est à l'intérieur de nous. Et donc il va falloir lier le sens des lois à quelque chose qui nous correspond. Voilà que lorsqu'on reprend ce texte et qu'on se met prêt à le lire à un degré supérieur, des évidences arrivent. Il n'est pas question ici de lire « Ki tikne eved ivri shashanim yavod » que à 6 ans, quelqu'un qui est un esclave juif travaillera et que la 7e année, il sortira libre et gratuitement, il ne devra pas payer pour ça. Que s'il est sorti seul, quand il est rentré seul, il sortira seul. S'il était avec sa femme, il sortira avec sa femme, etc. Mais pas du tout. En réalité, si vous lisez sans les lunettes, enlevez les lunettes, tous les myopes, les presbytes, vous les enlevez vos lunettes. Et là, vous avez normalement deux choses qui doivent vous sauter aux yeux. Shesh Shanim, la notion de 6. Uvashevi It, la notion de 7. Qu'est-ce qu'il y a 6 plus 1, ça fait 7? La semaine. Qu'est-ce qu'on a appris ensemble? Que le septième jour, c'est Shabbat, que le Shabbat, c'est Chofshi Chinam, c'est un jour où non seulement on est libre, libre de tout poids sur nos épaules, mais en plus, le travail effectué, parce qu'il y a une énergie qui travaille pour nous, elle est gratuite. Elle nous permet de produire gratuitement, pas besoin d'aller travailler. Et là, c'est un message très fort qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Comment on le sait? Je vais vous dire d'abord quel est le message, ensuite je vous dirai comment on le sait. Accrochez-vous encore quelques instants, c'est énormissime. Kadosh Baruch Hu, il nous dit comme ça. Vous étiez, on l'a vu dans Yitro,
vous étiez avec moi dans le désert. Je suis descendu, c'est marqué Vayered, Hachem, il est descendu sur la montagne pour pouvoir parler au Bnei Israël. Et tout le monde, Vayered, Moshe Mina Har El Ha'am, ça c'est Moshe qui est descendu, Vayered Hachem Alar Sinai El Rosh Ha'ar, Vayikra Hachem le Moshe El Rosh Ha'ar, Vayal Moshe. Là, Akadosh Baruch Hu, il descend, le créateur du monde, il descend sur le mont Sinai, au niveau du sommet, pour que tout le monde puisse percevoir le créateur du monde et comprendre. Il a intégré en nous certaines notions, dont une notion simple. Toi qui es hébreu, toi qui es juif, sache que tu n'es pas esclave si tu n'es autre que mon serviteur à moi. Sache que tu es au-delà de beaucoup de choses dans ta perception, dans ta compréhension et dans ton etzem, dans ton fort intérieur, tu as quelque chose de différent. Tu n'es pas fait pour être esclave de la matière. Tu n'es pas fait pour être esclave de ce monde. Ce n'est pas ce que j'ai souhaité. On est au moment des Aseret Hadibrot. Ki tikne ved ivri, si un juif, lorsqu'un juif, c'est pas si, parce que ça aurait été écrit im, si à un moment, si on veut, lorsqu'un hébreu, un éved ivri, voudra tomber dans la matière et devenir dépendant, devenir esclave de cette chose-là. Oui, il faut que je travaille pour payer mes factures, mais l'autre, il a une plus belle voiture que moi, il faut que je change la mienne, il faut que je l'achète, et pourquoi ça s'est cassé, j'en ai marre, il faut que je paye, et il faut que je sorte, et il faut que je scie, et ça, et j'ai un procès, et mon propriétaire s'est insulté, etc., etc. Si on rentre dans ce monde, Akadosh Baruch Hu nous donne un message tellement puissant, nous disant, sache que ça va durer 6 jours, et que le 7e jour, où Vachevi it, Yetse, l'Echov Shichinam, tu es obligé de sortir. En réalité, là, il y a deux manières de comprendre les choses. Il y a une manière pour comprendre au niveau unitaire, chacun d'entre nous, donc dans notre semaine. Mais il y a, comme on est en train de parler à tout un peuple, c'est aussi une manière de parler à tout le peuple. Et nous dit la Chassidoute que c'est un siman pour les temps messianiques. Six millénaires, on peut devenir dépendant. Mais sache qu'à un moment, le 7e millénaire, vous sortirez. C'est pas marqué Yachol, il pourrait éventuellement sortir la tset. Non, Yetse l'Echov Shichinam. Et le prochain passouk, il est fou. Parce que là, on nous le traduit, mais on nous traduit tellement mal. Im Begapo Yavo. S'il est venu seul. Non, ça aurait dû être marqué Im Yavo Levado. Éventuellement, c'est marqué Im Begapo. Gimel P, le Shoresh, c'est le gouf. C'est-à-dire le corps. Begouf shelo im begapo yavo. Si son corps il vient, ça veut dire que si ce que nous avons de la plus matériel possible n'arrive pas à se maintenir, n'arrive pas à se marier avec sa neshama, et finalement décide de rentrer dans cette matière et de dire mais moi j'ai pas le choix, mais tu comprends, j'ai 3 maisons et il faut que je paye, et il faut que je truc, et il faut que je sorte, et j'ai des charges, et j'ai si, des responsabilités. Begapo yetse, son corps sortira. C'est comme ça que ça fait. T'auras pas le choix. Donc plus tôt tu en prends conscience et plus tôt tu vis bien, tu vis mieux, tu vis heureux, tu te déconnectes volontairement des choses. Y a pas. Tant mieux qu'il y ait encore plus. Et s'il y a pas, je mets pas de l'ego, je demande de l'aide. Je vais vers l'autre parce que c'est l'autre dont j'ai besoin. Imba li shahu veyatsa ishto imo. Et la Torah elle va encore plus loin. Attention toi, ivri, hébreu, juif d'aujourd'hui de 2023, tu as aussi une responsabilité. Si tu es venu, si tu es entré avec ta femme, sous-entendu si tu as embarqué des gens avec tes belles paroles, en leur disant on va s'endetter sur 70 milliards d'années, t'inquiète pas, et on continue, etc., jusqu'à ne pas avoir tapé des maladies de stress et d'angoisse tellement on ne vit pas, veyatsa ishto imo. Tu devras, lui et sa femme, il devra s'engager à la sortir, engager à sortir ceux qu'il a embarqués avec lui. Alors maintenant, on comprend énormément de choses. Mais je vous ai dit, cette manière de comprendre, elle a une source. La source, c'est le premier pasouk. Ve'elea mishpatim asher tassim lifneem. Le rabbi pose la question, pourquoi c'est marqué lifneem? Et c'est la Admor HaZaken qui répond que l'ifnéem, comment on va prendre des lois, on va les poser devant eux. Qu'est-ce que ça veut dire devant eux? C'est sous-entendu de sorte à ce que ça les imprègne
intégralement de l'intérieur, parce que ça vient dans la profondeur. Il faut comprendre que c'est comme ça qu'on est constitué. Et plus on est réfractaire à cette vidéo, à ces explications, à cette compréhension, et plus on souffre dans ce monde. Parce que finalement, on remet la chose qui est évidente. Essayez de prendre une prise d'aspirateur, une prise électrique classique, et la mettre dans le trou rond de l'antenne télé, ça ne marchera pas. Vous pouvez vous accrocher tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Entre-temps, vous souffrez. Vous allez forcer, vous allez vous faire mal aux doigts, vous allez casser, tordre la prise, le machin, etc. Ou dans une clé USB, si vous préférez, une clé USB dans un HDMI, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous allez tout casser, vous allez vous faire mal, peut-être vous couper la peau, mais ça ne marchera pas. Et c'est là où on en est aujourd'hui dans ces psukim. Si vous lisez Mishpatim comme un texte de loi brut, classique pour nous au quotidien, mais la majorité, il n'est pas d'actualité, ça ne sert à rien du tout. Qui c'est qui s'amuse à tuer? Il y a des lois françaises, et des lois israéliennes, et des lois marocaines, et des lois polonaises, russes, et tout ce que vous voulez. Donc finalement, ce texte ne nous intéresse pas en soi. Par contre, si on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, le créateur de ce monde, prend soin de nous et nous dit « Tu as été esclave, je t'ai libéré de cet esclavage dans lequel tu es tombé facilement !» N'oubliez pas que pour rentrer, on n'était pas esclave au début. On était serviteur, on était évède, on n'était pas encore... On travaillait pour les Égyptiens, même certains commentateurs nous disent que les Égyptiens, au tout début, ils nous aidaient, ils travaillaient avec nous. « Allez bien, on nettoie le palais !» Mais c'est magnifique, c'est pour Pharaon. Puis ça a été les toilettes du palais, puis ça a été les maisons des ministres, puis les toilettes des maisons des ministres, puis on a été frappés, puis ça a été dans le peuple, etc. Jusqu'à laver et qu'on nous prenne nos gosses et qu'on nous les encastre. On est rentré de nous-mêmes parce que notre ego s'est parlé, tu te rends compte. Je prie contrat, c'est moi qui m'occupe du nettoyage du contremaître ou qui m'occupe de la construction du contremaître égyptien. On a eu l'ego qui a parlé à notre place. Qu'est-ce qui s'est fait? On s'est enfermé dans un esclavage moderne. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas proche de ça? Je vous interroge sur cette question. Le peuple juif est un peuple chofshi chinam, qui est libre gratuitement à la condition de le vouloir. Aucune marque ne fera que ça mérite qu'on passe notre temps à faire ce qu'il faut pour pouvoir se l'offrir. Aucun véhicule, aucune taille de maison, ni quoi que ce soit. Et je conclurai en ces mots. Lorsqu'on veut étudier la Torah et découvrir ce savoir, nous disent nos commentateurs, ça se fait par l'effort de l'étude, mais pas seulement. Ça demande à ce qu'on transpire, à ce qu'on recherche, à ce qu'on se casse la tête. Et il y a une manière, c'est le vol. Le vol, dans certaines circonstances, peut être positif. Là, je suis en train de vous choquer, je le sais. Dans quelles circonstances le vol peut être positif? C'est lorsqu'on vole du temps. Je ne comprends pas de quoi il me parle celui-là, qu'est-ce qu'il me raconte? Lorsqu'on vole du temps de la matière pour le transformer en étude de la Torah, là, on est méritant. Ce temps-là où on se dit « mais mince, j'ai un contrat préparé pour celui-là, mince, je dois aller faire les courses à ma femme, elle va me casser la tête ou à mon mari, il va me mettre la pression, etc. » Et qu'on met un stop à toute cette pression du quotidien pour son patron, pour ses employés, pour l'école, pour je ne sais quoi. Qu'on vole du temps de la semaine, les 6 jours de matérialité, pour se libérer dans l'étude de la Torah, alors on est rétribué un tribut qui n'a aucune limite dans ce monde et dans le monde futur. Comprenons-le bien, il n'y a pas de monde futur. Le monde, c'est là, maintenant. La sotte d'Irob et Tartonim, ce n'est pas pour mourir. C'est fini, cette époque-là. Là, maintenant, on est dans le talon de Mashiach, on est là pour récolter directement le résultat. Alors, on est certain, mais absolument certain, qu'on peut décider de voir. On comprend maintenant l'expression « Naaseh v'nishma ». Naaseh, on fera et on comprendra. Ce n'est pas comprendre, c'est entendre. On fera et on écoutera. Mais écouter, ça peut être aussi comprendre. Parce que lorsque on écoute tellement bien quelqu'un, de sorte à ce qu'on le voit dans les yeux, on sent qu'il a compris. On sent qu'il sait qu'on a compris sa douleur. Et c'est ce que nous dit l'Ibn Israël à ce moment-là. Naasé, on fera, mais pas bêtement, pas n'importe comment. On fera de sorte à revivre ce qu'on a vécu au Sinaï et de comprendre, d'entendre le message, de le voir de manière évidente comme un rêve. Est-ce que dans un rêve, vous avez vu? Concrètement, pas avec vos yeux, mais vous avez le sentiment de voir.
Et vous fermez les yeux, vous imaginez un truc, un peu de méditation, vous avez vu? Non, mais vous l'avez ressenti. Shabbat Shalom.